Vous voyez derrière moi l'ancien bâtiment dans lequel travaillaient nos équipes à Charleroi. Et puis, nous tournons un petit peu. Ici en face, nous avons le nouveau bâtiment. Ça va être des conditions de travail tout à fait différentes pour notre personnel. Ça va améliorer leur bien-être, évidemment, c'est une priorité, et également leur efficacité. Et donc voilà, c'est vraiment un win-win pour Infrabel et un magnifique jour pour Infrabel et son personnel. J'ai la chance d'être avec le père, ici Christophe Granville, le père de bâtiment, alors un grand moment de fierté. Ah, très très très, après 5 ans de travail, dont 3 ans de construction, on est particulièrement fiers d'être arrivés au bout de ce bâtiment sambre et rail. C'est vraiment une fierté. Alors c'était un accouchement difficile ou ça s'est bien passé? On a vraiment très bien collaboré avec Tucraille. C'est un beau défi qui a été relevé. Et on a relevé tous les challenges. Alors évidemment, ben, pour un papa, le bébé, son bébé est toujours le plus beau bébé du monde. Alors ici, quelles sont les qualités de ce magnifique bébé? C'est vraiment, il a été pensé pour le bien-être du personnel et pour une efficacité du travail et un travail en collaboration, donc au sein des équipes, pour créer des liens, créer de la communication, avoir des salles de réunion efficaces. Donc c'est vraiment comme ça qu'a été pensé notre bâtiment et on espère que ça satisfera tous ses occupants. Bien, merci beaucoup Christophe, et, ben, bonne continuation et pour d'autres beaux projets. Merci. Je suis ici sur la terrasse de notre nouveau site de Charleroi avec le bourgmestre de Charleroi. Alors monsieur le bourgmestre, c'est un grand jour pour Infrabel mais aussi un grand jour pour Charleroi. Oui, c'est un moment important, c'est l'aboutissement d'un dossier dont on parle depuis 5-6 ans. C'est la deuxième étape après le CLI qu'on a inauguré il y a quelques mois et ça crée vraiment avec ces deux bâtiments une porte d'entrée dans la ville. C'est au total 650 travailleurs, donc ça n'est pas rien, qui sont localisés ici en plein centre de Charleroi et qui contribuent à la fois à faire vivre l'ensemble de notre réseau ferroviaire et puis contribuer aussi un peu à la vie locale. On voit, je vois mon bureau d'ici, voilà l'hôtel de ville par exemple. Donc on est vraiment implanté en plein cœur de ville. Merci beaucoup monsieur le bourgmestre, au plaisir de vous revoir pour un de nos prochains projets à Charleroi. Avec un grand plaisir, c'est pas fini, c'est qu'un début. Alors monsieur le ministre, encore un grand jour pour le rail ici. Ce nouveau bâtiment à Charleroi, c'est un événement majeur. Alors d'une part, bien réussi architecturellement, les bâtiments d'Infrabel et SNCB doivent s'intégrer dans leur milieu de vie, dans leur milieu économique. Bel outil de travail pour les travailleurs de l'AREA ici. J'ai aussi pu visiter la cabine de signalisation, vraiment avec Infrabel qui est à la pointe, sur le point vue informatique. Et il paraît qu'on engage Infrabel, donc faites-le passer. On engage beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. À bientôt. Avec Guy Gilson, le grand patron de l'AREA de Charleroi. Alors Guy, c'est un grand jour pour l'AREA Charleroi aujourd'hui. Absolument, je suis vraiment content pour les collaborateurs qui ont attendu très longtemps finalement dans un ancien bâtiment, bon voilà, d'une ancienne génération, et ils montent maintenant dans un bâtiment qui est tout à fait haut, pensé autrement, et qui favorise aussi la communication. Il y a un ensemble de bureaux qui permettent aux collègues de Bruxelles ou d'autres ou ailleurs de venir travailler et ça favorise la communication, je trouve que c'est un très bon outil. Eh bien super, ben écoute, je propose qu'on ait retrouvé nos collègues pour fêter ça avec eux. Pas de problème. À bientôt Guy. Alors ça se passe comment? Vous êtes très content du bâtiment? Parfait. Le nouveau bâtiment est vraiment incroyable, on se sent vraiment bien dedans, les espaces ont été bien pensés et ça fait vraiment plaisir de voir que tout ce travail a été fait pour nous. Ouais, très 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 ravi de déménager enfin. Si vous êtes content, alors moi je suis content aussi et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très souvent, ici ou ailleurs. À très bientôt. Merci, à bientôt.